On va commencer par une petite activité collective. On voudrait savoir qui vous êtes. Et donc, pour ceux qui sont... Voilà, il y a beaucoup d'éclairage. Est-ce qu'on peut juste baisser un tout petit peu l'éclairage, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'il y a des professeurs? Est-ce qu'ils veulent bien, elles ou eux, lever la main? D'accord, merci. Des collectivités territoriales? Très bien, merci. Des entreprises de l'EdTech? Des entreprises, des éditeurs de l'éducation? Et puis, des représentants de l'éducation nationale, ministère? Des académies, des régions académiques? Ok. Et les autres peuvent lever la main après? Voilà, bon, ok. On a une bonne idée, je crois. Bon, merci beaucoup, vous pouvez vous applaudir peut-être. Alors, je vous propose de commencer tout de suite notre table ronde. Il y a un an, quasiment jour pour jour, on était ici avec vous, non pas pour vous présenter la stratégie, mais pour parler de la stratégie, des travaux que l'on menait, le ministère de l'Éducation nationale, mais également les collectivités territoriales, les entreprises de l'EdTech, les éditeurs de l'éducation, je vais y arriver. Et donc, tous ensemble, avec évidemment des représentants des professeurs, des enseignants, et les parents d'élèves, on réfléchissait justement aux grandes lignes qu'on souhaitait voir prendre par la stratégie. Et donc, on était venu vous présenter ces fameuses grandes lignes. On vous avait présenté également la méthode qu'on avait employée pour construire cette stratégie. Et donc, ça a permis évidemment de créer ce collectif qui nous a permis d'aboutir. Donc, le 27 janvier 2023 de cette année, donc il y a quelques mois, à une stratégie publiée sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Aujourd'hui, évidemment, on ne va pas vous refaire la présentation de la stratégie. Vous l'avez lu, parcouru. Mais on souhaite prendre une heure tous ensemble pour voir quels ont été les apports de ce document, qu'est-ce que ça a apporté, est-ce qu'il y a un avant et un après, de pouvoir aussi, depuis le 27 janvier, donc il y a à peu près 10 mois, de voir sur ces 10 premiers mois quels sont les résultats qui ont été permis par la stratégie, et puis ensuite on terminera sur une espèce de prise de recul, de voir au bout, à l'aune hein, de ces expériences, de ces 10 mois, quels sont les ajustements qui sont possibles sur cette stratégie. Pour commencer, donc je vais donner tout de suite la parole donc, à chaque intervenant et chaque intervenante pour qu'elle puisse se présenter et on débutera la table ronde ainsi. Mylène. Bonjour. On crie. Donc Mylène Rame, je suis chargée de mission numérique pour l'éducation à l'association ABICA, qui est une association de collectivités territoriales. Voilà, pour vous donner une idée de comparaison, on est un peu comme département de France ou région de France, sauf qu'on est spécialisé dans le numérique éducatif, dans les réseaux et dans le numérique, et moi sur le numérique éducatif. Et on a une petite particularité par rapport aux autres associations, c'est qu'on est multi-collectivité. Donc on regroupe des régions, des départements, des syndicats mixtes et toute la strate communale. Bonjour à toutes et à tous. Donc Audran Le Baron, je suis le directeur du numérique pour l'éducation, la DNE. En deux mots, la DNE, c'est à la fois la DSI du ministère, donc on s'occupe des systèmes d'information du ministère, il y en a un certain nombre, et puis la direction qui s'occupe également du numérique éducatif, donc le numérique éducatif c'est comment le numérique peut être mis au service des apprentissages, mais également le numérique en tant que compétence, comment faire monter en compétence l'ensemble des agents, professeurs, mais également des élèves en matière de numérique. Donc voilà deux facettes de cette direction. Bonjour, je suis Auriane Ledroit, je suis la nouvelle déléguée générale d'EdTech France. EdTech France, c'est une association qui représente la filière de la EdTech, donc c'est environ 400 entreprises qui agissent en utilisant le numérique au service de l'apprentissage et de l'éducation, à la fois sur le scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.
Et bonjour, je suis Célia Rosentrop, je suis éditrice scolaire, mais je préside l'association des éditeurs d'éducation, qui est en fait le regroupement de tous les éditeurs scolaires français, ou presque, donc une vingtaine de marques et de maisons. Cette association a pour objet de fédérer la réflexion autour des supports pédagogiques, évidemment, quels que soient leurs médias, papier, numérique, évidemment autour d'un objet que vous connaissez tous bien, qui est le manuel scolaire en centrale, mais pas que. Et nous travaillons évidemment avec la DNE et toutes les collectivités depuis fort longtemps sur la question du numérique. Ça remonte à la première expérimentation, pour ceux qui peut-être l'ont connu, dans les Landes, un collégien à portable. Ça a commencé là dans les années 2000 et ça a continué jusqu'à présent. Merci à tous les quatre d'avoir accepté donc de participer à cette table ronde. On commence donc tout de suite sur les apports. Hein. Qu'est-ce qu'a apporté ? Je vais te donner le micro, Mylène. J'aurais pu te prêter celui-là. Mais... Donc de parler des apports, de la stratégie, de ce document, de la concertation, et quel a été le point de vue finalement des collectivités territoriales vers avoir par rapport à toute cette méthode employée et du résultat qu'on a obtenu ensemble. Alors d'abord sur la méthode, les résultats, on verra peut-être après. En fait, ce qui était intéressant, mais ça avait commencé bien avant le mois de janvier, le 24 si je me souviens bien, c'est ça ? Puisqu'on avait commencé à travailler ensemble avec le ministère et les différentes strates. Et ce qu'on en retire surtout, c'est alors déjà un projet commun, bien entendu, mais donc des objectifs communs, un dictionnaire, une lecture commune, qu'on est toujours en cours de notamment de lecture de la loi, pour savoir si on est bien d'accord, est-ce qu'on lit la même chose, est-ce qu'on interprète la même chose, de bien savoir le qui fait quoi, de bien comprendre quels sont les différents intervenants, bref, tout ce qu'il y a autour de la concertation. Et on voit d'ailleurs, ça, même dans les présentations de ce matin, la journée des porteurs de projets ENT, il y a des mots que l'on entend, quand je parle de vocabulaire commun, on entend accessibilité, réversibilité, interopérabilité, outil unique, commun numérique. On entend en fait tout ce vocabulaire. Donc tout n'est pas encore parfait, mais on y travaille. Et l'important, c'est... Alors il y a le résultat, bien entendu, de la stratégie qui évolue, mais l'important c'est surtout que l'on prenne l'habitude de travailler ensemble, que l'on partage un peu, pas encore la même maison, mais en tout cas, si on partage une même maison, on a des chambres bien séparées, mais qu'on rentre tous par la même porte, avec un même vocabulaire, parce que tout ce qui est imposé et qui n'est pas concerté avec l'ensemble des acteurs, on vous le savez aussi bien que moi, ça ne fonctionne pas. Voilà, la stratégie, elle a ouvert des portes. Et donc maintenant, on est presque tous ensemble, même s'il reste encore des petites imperfections. Merci, Mylène. Même question, finalement, pour Oriane. Pour les entreprises de l'EdTech, quel a été justement l'apport, l'intérêt de cette stratégie ? Alors, le premier intérêt assez évident, c'est que le fait d'écrire une stratégie avec, en écoutant nos avis, nos remarques, fait que finalement on trouve de la part de l'État la reconnaissance de la vitalité entrepreneuriale sur la EdTech en France. Et ça, c'est déjà pas anodin, parce que ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique entrepreneuriale, il y a des vraies entreprises qui aujourd'hui émergent, créent des solutions, répondent à des vrais besoins, et certains d'entre vous sont des utilisateurs de ces solutions au quotidien. C'est un premier point, et c'est vrai que c'est aussi, je pense, par nature, une petite public qui ne peut être que collective, c'est-à-dire qui ne peut que s'appuyer sur un écosystème à la fois d'acteurs, d'opérateurs, mais aussi de solutions privées et d'entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est intéressant, et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Mylène, c'est... L'intérêt de la stratégie, l'apport de la stratégie, c'est de se fixer finalement une ambition commune qui est que le numérique doit être au service de la performance éducative. Le numérique, la réalité du numérique dans l'utilité qu'il a pour l'éducation, nous on en est convaincus et on le montre avec nos solutions au quotidien, est confirmée. C'est un gain de temps supprimer ou en tout cas éviter à un certain nombre d'acteurs, notamment les enseignants, de faire des tâches trop opérationnelles sans plus-value. Hein. On le voit avec des solutions comme Knowledge qui vont permettre de transformer tout support pédagogique d'un enseignant en des quiz interactifs. C'est aussi
un lien privilégié, un canal privilégié de communication entre des enseignants, des chefs d'établissement, une communauté éducative et des parents soucieux de suivre l'activité de leurs enfants au niveau de l'école. C'est des solutions comme Classroom, c'est des solutions comme Benelux et tous les ENT, etc. C'est des solutions aussi qui sont, parce qu'il y a du traitement massif de la donnée, on parle beaucoup d'IA en ce moment dans l'éducation et numérique, vont permettre de personnaliser, de différencier l'apprentissage. C'est des solutions comme Plume, c'est des solutions comme Lalilo, c'est des solutions comme Matia, donc sur des savoirs fondamentaux qui sont au cœur aujourd'hui, je pense, des préoccupations collectives qu'on a sur la performance éducative. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de solutions qui répondent à un objectif commun, je pense, qui est acté dans cette stratégie, qui est la performance éducative. Et puis peut-être un dernier point, et ça je trouve que c'est aussi exemplaire, c'est que ça fixe un engagement collectif sur un temps, je dirais pas que c'est un temps long, mais qui à minima va au-delà de l'annualité dont on a l'habitude, de connaître quand on travaille du côté de l'État, mais aussi du côté des entreprises. Nos entreprises, les EdTech, elles ont besoin d'avoir une visibilité à moyen terme sur ce qui va être soutenu, ce qui va être porté, etc. Et donc ce côté pluriannualité de l'engagement de la stratégie avec des clauses de revoyure, elle est importante pour nous, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Célia, alors pour les éditeurs de l'éducation que vous représentez, vous avez la même perception qu'Oriane et Mylène? Oui, pour reprendre et pour peut-être compléter par rapport à ce que tu viens de dire, Oriane, sur le temps long, c'est vrai que c'était ce besoin de temps long, on voit bien qu'il est, il est très nécessaire pour la question du numérique, puisque en fait, le temps d'appropriation pédagogique de l'usage du numérique nécessite un temps long qui dépasse évidemment, alors j'irais même plus que les années, qui dépasse aussi les changements de ministre, on va dire, et que cette stratégie numérique, elle permet, je pense, d'asseoir vraiment dans la durée, au-delà des changements politiques, qui sont des temps, on le sait, plus courts, ça permet d'inscrire dans des temps plus longs cette appropriation pédagogique, et à ce titre, nous saluons vraiment ces travaux-là qui nous permettent voilà, d'avoir ce temps long. Bien sûr, comme les EdTech industriels que nous sommes, nous avons besoin aussi d'un temps long pour piloter nos investissements et faire des choix structurels et stratégiques. Aujourd'hui, les éditeurs scolaires diffusent leurs manuels numériques sur l'ensemble du territoire, des solutions différentes, avec des connexions très fortes avec les outils du ministère, avec ceux des collectivités locales, avec les ENT. Tout ça, vous comprenez bien, avec la question de la sécurité des données, il y a des questions d'infrastructure et d'hébergement très lourdes qui se posent, et avoir ce type de stratégie déclinée en doctrine technique nous permet, nous, d'orienter, on va dire, plus sereinement que dans le passé, en fait, nos investissements, et c'est très important. J'ai en mémoire une expérimentation en 2011 où on nous avait dit on va mettre les manuels numériques sur les ENT, on va partir sur du tout online. Évidemment, on s'est rendu compte assez vite que ça n'allait pas marcher puisque les équipements, les établissements à cette époque-là n'étaient pas équipés. On a dû rétro-pédaler sur du offline. Tout ça est très coûteux dans un temps très court pour des entreprises. Et c'est sans doute le deuxième point aussi que je salue dans cette stratégie, c'est l'écoute et le travail de concertation. C'est que l'exemple que je viens de prendre vous montre bien que l'écosystème avait dit « attention, le online ne va pas fonctionner », on le sait. Voilà, aujourd'hui, on n'en est plus là, on a dépassé ça, il y a un vrai travail d'écoute et de confiance, et je pense qu'on a une meilleure compréhension chacun des enjeux du ministère, des enjeux des collectivités, des enjeux des éditeurs et des EdTech, pour pouvoir adresser sereinement la suite. Et puis un point aussi notable, pour finir, c'est la stratégie numérique, elle s'articule avec une doctrine numérique, elle s'articule avec le GAR, elle s'articule avec beaucoup d'éléments qui nous permettent à nous d'avoir une vision complète en fait de l'intention du ministère, et pour nous c'est évidemment très important. Audran, vous êtes arrivé à la DNE en juillet 2021. Vous avez eu l'intuition en fait de la nécessité de rapprocher justement tous ces acteurs autour d'un document unique, d'une stratégie. Est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu qu'est-ce que vous attendiez finalement à l'époque à la fois de la démarche et puis de cette stratégie? Alors quelque part beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vous en remercie parce que ça va permettre de raccourcir mon propos. C'est vrai que quand je suis arrivé il y a 2 ans, c'est pas faire preuve de grande clairvoyance, hein, c'était quelque chose qui saute aux yeux de tout le monde depuis longtemps. Le numérique éducatif est derrière un écosystème extrêmement complexe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives de la part de la sphère privée avec les entreprises de l'EdTech, les éditeurs de l'éducation,
tout un chacun, la multitude de professeurs qui peuvent également bien décider, proposer des offres numériques, les académies, les opérateurs du ministère. Il y a beaucoup d'acteurs qui participent à ce numérique éducatif, et donc le constat que je faisais, c'était un grand foisonnement d'initiatives où on ne voyait pas forcément quelle était la ligne directrice, vers quoi on allait exactement, c'est quoi le cap partagé de l'ensemble de ces acteurs, et de fait, il n'y en avait pas vraiment, ou en tout cas, il n'était pas écrit. Et donc, c'est ça qu'il a fallu, qu'il me semblait absolument indispensable de partager, d'où le travail qui a été fait, et merci beaucoup pour tout ce qui a été dit précédemment, qui confirme que, finalement, on a plutôt œuvré dans le bon sens. Et je pense qu'il était utile de rappeler à cet égard quelques grands principes qui nous guident. Notamment, tu parlais, Célia, du tout numérique et qu'on en est revenu. Et c'est quand on regarde justement l'actualité avec la Suède qui fait beaucoup parler d'elle sur le fait qu'elle fait un virage à 180 degrés, après le tout numérique, on revient en tout papier, etc. Bon, tout ça, ce sont des débats qui sont sans nuance et qui sont réalisés au gré des alternances politiques. Je pense que la vérité, pour le coup, elle vient d'un certain nombre de syndicats de professeurs en Suède qui, eux, ont un discours, pour le coup, modéré, qui est de dire le numérique, ça peut être très bien dans certaines séquences pédagogiques, c'est au contraire à fuir dans d'autres types d'activités, et les professeurs, eh bien, ils sont là justement avec tout leur professionnalisme pour savoir quand il est utile de faire appel au numérique, quand ça n'est pas utile, voire contre-productif. Et donc, nous, c'est exactement le discours que l'on porte dans cette doctrine, dans cette stratégie, pardon, des principes de nuancés, équilibrés, qui n'est pas du tout numérique, mais qui est du numérique là où c'est utile, donc de façon raisonnée. Donc ça a permis aussi de poser ces principes et sur lesquels je crois qu'on était à peu près tous d'accord. Il n'y avait pas beaucoup de fanatiques du numérique qui étaient vraiment là pour dire que ça allait changer la face du monde. Toutes des affaires de nuances. Ça a permis également donc, de fixer un cap et un cadre globalement partagé. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit avant, vous l'avez mieux dit que moi. Et je pense que ce qui... Enfin, moi, j'avais également un enjeu interne au sein du ministère, c'était d'affirmer une certaine posture vis-à-vis des collectivités territoriales, des entreprises de l'EdTech, des éditeurs de l'éducation, etc. Une posture qui était une posture d'écoute, de co-construction, de « on y va ensemble, on n'est pas là pour que le ministère dicte une vision stratégique qui serait la sienne et qui ne serait pas celle des autres. Il s'agissait au contraire de bâtir ensemble une vision stratégique partagée parce que quand on parle de numérique éducatif, le ministère ne peut pas tout. Il a certes un certain nombre de compétences à assumer, mais d'autres acteurs ont leurs propres compétences. Et si tout le monde ne partage pas une même vision. Et donc voilà, et ça je pense, vous écoutez, je pense qu'on a réussi à changer, modifier cette posture pour qu'on soit vraiment dans une logique de construction ensemble, d'une construction d'écoute. Et ça, je tiens plus que tout à ce qu'on le prolonge dans la suite des opérations. Alors, on vous propose de zoomer du coup sur les premiers résultats, puisque effectivement la stratégie maintenant elle a presque 10 mois d'existence, et évidemment il y a les quatre axes, il y a 16 actions clés, donc l'objectif, donc prenons un peu le temps cet après-midi pour essayer de voir justement quels ont été les premiers résultats. Alors Mylène, du point de vue des collectivités territoriales, quels sont les principaux acquis sur ces 10 premiers mois ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques exemples. Au début, j'en avais noté 3, puis en fait, j'en ai 5, mais j'aurais pu en avoir plus. Alors, ils ne sont pas tous complètement finalisés. Il ne faut pas croire qu'en un an, on a tout réglé et que tout est gravé dans le marbre. Tout ça, c'est encore un work in progress, mais ça ne se dit pas. Enfin, c'est toujours en cours de travail. Donc, on a travaillé notamment sur la matrice racine des responsabilités. Je vais expliquer ce que c'est. Hein. Donc il y a la loi Peillon qui dit entre 2, que les collectivités sont responsables des équipements et de leur maintenance. Quand on a dit ça et qu'on a ouvert le capot de la voiture, en fait, on ne comprend plus grand-chose. Et donc on a travaillé beaucoup sur cette matrice. On est toujours en train d'affiner ce que l'on comprend et pour savoir tout simplement qui est responsable de quoi. Donc il y a la loi d'une part, mais ensuite il peut y avoir aussi l'application sur le terrain. Et là, c'est important pour les utilisateurs finaux, pour qu'ils sachent qui appeler lorsqu'il y a un problème.
J'imagine que vous, dans la salle, vous avez tous connu une panne. Alors, si c'est une panne de réseau, qui on appelle et qui est à même de répondre. Donc ça, c'est un des premiers chantiers qu'on a fait. Autre exemple, alors je vais employer un mot SCOP, qui est peut-être pas, que certains d'entre nous connaissent, mais sans doute pas tout le monde. Et donc l'idée, c'est de mettre à disposition de certains ayants droit, dont les collectivités territoriales, les emplois du temps des collèges et des lycées. Donc ça, ça peut être un super outil pour les collectivités territoriales. Alors on a pas mal de cas d'usage, on a le chauffage, on a l'entretien, on a le nettoyage, en tout cas tout l'entretien du bâtiment. Et donc il y a notamment une région qui s'est beaucoup investie dans dans SCOP, notamment pour la gestion fine du chauffage des salles de classe. Et à la clé, bien évidemment, c'est beaucoup d'économies d'argent public. Encore un autre exemple, l'API statut de l'élève scolarisé. Alors ça, c'était une demande assez ancienne des collectivités. Ce que ça permet d'obtenir, c'est une fois que l'utilisateur, donc en général le parent, il a donné son accord, la collectivité peut obtenir immédiatement l'information si l'élève il est scolarisé, s'il est boursier et quel est son échelon boursier. Et donc automatiquement, par exemple, lorsque la collectivité offre des terminaux subventionnés, le parent peut savoir s'il y a accès et à quel tarif il peut avoir ce type de terminaux. Enfin, j'en terminerai là parce que je crois que j'ai dépassé mon temps de parole. On a un groupe de travail sur les indicateurs. Et donc là, l'idée, c'est de disposer, parce que pour piloter, pour se connaître, il faut disposer d'indicateurs communs. Donc il faut les mettre ensemble. Alors, c'est un énorme travail. Donc on a fait déjà des heures et des heures de travail et on n'a pas fini. Donc l'idée, c'est de définir quels sont les bons indicateurs, d'avoir la même compréhension des chiffres dont on dispose et de pouvoir les partager pour mieux piloter. Donc les indicateurs des ONT, du GAR, de PIX, des terminaux, bien entendu, des collectivités territoriales. Alors, vous voyez, il est beaucoup question de la donnée, en fait, donc toujours de ce partage d'informations que l'on met en commun. Merci Mylène. Donc effectivement, beaucoup de sujets autour du partage d'informations, du partage de données, d'essayer d'expliquer aussi de vulgarisation du code de l'éducation, qui parfois effectivement est d'une lecture assez difficile. Oriane, vis-à-vis justement des entreprises de l'EdTech, quels sont les principaux points que vous souhaiteriez un peu mettre en valeur qui ont été acquis depuis le début de l'année? Alors peut-être deux points. Le premier sera de l'ordre du symbolique et peut-être de l'anecdotique pour certains d'entre vous, mais comme dirait la chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. C'est l'instauration d'un comité de filière. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut que vous ayez en tête que au sein de l'État aujourd'hui, il y a seulement 20 comités de filière. Sur l'eau, sur l'aéronautique, sur le bois, donc sur des gros sujets d'industrie, voilà. Et dans le cadre de cette stratégie, a été instauré un comité de filière sur le numérique éducatif. Nous, en tant que filière de la EdTech, on pense que c'est symboliquement important de reconnaître le numérique éducatif comme un secteur industriel où il y a finalement de l'emploi, des solutions, un certain nombre de réponses qui sont apportées à des besoins prégnants en matière d'éducation par ces entreprises. Donc vraiment, premier point, ce comité filière qui crée une instance importante de dialogue, de travail et d'engagement aussi mutuel sur justement comment le numérique peut être au service de cette performance éducative. Donc vraiment, je pense que c'est pas anodin. Ailleurs qu'au ministère de l'économie, il y a seulement deux comités de filière. Il y en a un donc, désormais sur le numérique éducatif, il y en a un autre sur les industries culturelles et créatives au sein du ministère de la culture. Mais ça, c'est un premier point et je pense une instance importante, une reconnaissance importante de ce sujet d'utilité, finalement, d'utilité générale, d'utilité publique du numérique éducatif et du besoin de travailler ensemble à atteindre les objectifs et l'ambition qu'on s'est fixée en commun. Et peut-être un deuxième qui est de l'ordre plutôt de... qui est moins de l'ordre symbolique, mais qui vraiment concrètement, on a des rendez-vous, des réunions,
espaces de travail fréquemment, ensemble, sur des sujets, comme le disait Célia, très concrets, à savoir l'interopérabilité, le numérique responsable, un certain nombre de chantiers qui ont été ouverts par la DNE, auxquels contribuent nos entreprises, et qui visent en fait à vraiment créer un chemin pour aller ensemble vers un objectif qui est défini, qui a été annoncé, et qui nous permet, nous, d'anticiper un certain nombre de modifications, de choses à faire, de choses à prévoir dans l'avenir, mais aussi de faire valoir nos points de vue, nos remarques, nos retours terrain. Célia ? Donc pour effectivement sur le comité de filière, je partage totalement, et ce qu'on peut également dire, c'est qu'on a su s'organiser en filière, ce qui a permis de créer un comité de filière. Donc cette filière, c'est EdTech France, c'est les éditeurs d'éducation, c'est la FINEF, et on a vraiment eu à cœur de porter des projets en commun, et ce qui in fine permet la création du comité filière. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Sur les résultats, moi j'en vois plusieurs, en fait c'est également d'ordre symbolique, mais de symbolique très important. C'est ce que tu as dit, Audran, sur l'inscription de la liberté pédagogique dans la stratégie du numérique éducatif. Et ça, c'est un paragraphe entier. Et ça, c'est très important parce qu'on sait tous, et les enseignants qui sont dans la salle le savent, le développement du numérique ne se fera que si l'enseignant est à la manœuvre, que si c'est l'enseignant dans sa classe qui sait s'il a besoin du numérique, s'il n'en a pas besoin, s'il a besoin d'avoir recours au papier, s'il a besoin d'avoir recours à une ressource du EdTech. C'est lui qui est maître à bord et qui doit, et si on veut un développement harmonieux des usages et organique et surtout efficace pour l'apprentissage des élèves, c'est effectivement, ça repose avant tout sur cette liberté pédagogique. Donc aujourd'hui, ça c'est un intangible pour moi qui est fixé dans la stratégie numérique et qui est très important. Et l'appel que je lance ici, c'est que les collectivités locales doivent aussi... doivent entendre aussi cette question de la liberté pédagogique, et on a vu des plans, alors ça sera sans doute moins le cas, des plans où le numérique était imposé, où le numérique arrivait très vite, où il y avait des changements de plateforme. Voilà, attention, parce que le temps, encore une fois, de l'appropriation pédagogique du numérique, il est long, et effectivement, il ne marche pas très bien avec le temps politique, mais il faut se donner le temps de faire monter ce numérique. Et un deuxième résultat qui n'est pas symbolique, mais sur lequel on a tellement... discuter pendant des heures et des heures avant l'arrivée d'Audran. Il y a un triptyque qui a été défini et qui est formation, ressources, équipement. Si on veut des développements de plans numériques qui fonctionnent, sans ce triptyque, ça ne marche pas. Donc maintenant, c'est écrit. Je pense que tout le monde est au courant. Donc c'est très bien. Et un troisième point rapidement, c'est tout le travail qui a été mis en lumière, toute la stratégie qui a été définie autour du travail sur les standards et l'interopérabilité, qui, une fois de plus, nous donne un cap et nous facilite la vie, puisque pour nous, c'est bien plus simple d'aller travailler sur des formats standards que de devoir s'adapter sur des formats propriétaires qui seraient ici ou là. Donc c'est un vrai résultat également. Merci beaucoup. Audran, quelques premières réussites, j'allais dire, quelques premières victoires, avec quand même beaucoup d'humilité. Qu'est-ce que, de ton point de vue, qu'est-ce qui a été aussi assez emblématique comme résultat depuis le début d'année ? Alors, il y a un premier résultat qui est purement interne dans la boutique interministérielle dans laquelle nous évoluons. C'est que l'ADNE, le ministère de l'Éducation nationale, a une vision stratégique partagée qu'elle peut brandir à l'interministériel, et on n'est pas si nombreux dans les différents ministères à en avoir une, et donc ça nous démarque. Ça fait que le regard des autres, et j'espère de Bercy, change sur l'éducation nationale, parce qu'il y a une question de sérieux, parce que on a quelque chose de très bien documenté, de partagé, et ça, j'espère que ça amènera un autre résultat en monnaie sonnante et débruchante, celui-là, dans les prochaines années, qui nous permettra d'être plus fort dans les négociations sur obtenir les moyens de notre ambition stratégique. Donc ça, c'est un premier point, mais c'est un peu de la cuisine interne. Mais je voulais quand même vous partager ça, parce que c'est aussi ça mon boulot. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là encore. On a effectivement beaucoup travaillé dès le lendemain de la publication de la stratégie sur le premier axe qui concerne la gouvernance, le travail avec les collectivités territoriales, et donc tout ce que tu as dit, Mylène, effectivement, sur la répartition des compétences, avoir une vision claire et partagée de la répartition des compétences.
d'avoir de travailler sur des conventions types qui vont aider considérablement chaque région, département, académie à travailler avec les collectivités locales pour tendre vers cette répartition des compétences dans le cadre de conventions globalement relativement homogènes, même si chaque territoire a son historique et fait que ça peut être différent d'un territoire à l'autre. Mais voilà, globalement, ça c'est un premier axe sur lequel on a beaucoup travaillé, mais sur lequel il reste encore beaucoup de travail. Tu as parlé du partage de données, donc ça c'est vraiment le chantier pour moi des prochaines années. On a tout le travail sur la doctrine technique dont vous avez été plusieurs d'ailleurs à parler. Donc là encore, premier résultat, on a une doctrine technique du numérique pour l'éducation qui a été publiée fin mai dernier. Mais là encore, ça n'est qu'une première version. On prévoit un train chaque année. Et donc, dans chaque train, on y mettra un certain nombre de wagons sur des exigences d'interopérabilité partagées qui nous permettent de construire un numérique éducatif correctement urbanisé, si je prends des termes un peu de système d'information, mais c'est finalement bien de ça qu'il s'agit. Toujours avec une finalité derrière qui est l'expérience utilisateur, faire en sorte que nos élèves, nos professeurs, nos parents d'élèves puissent s'y retrouver dans cette offre multiple et naviguer dedans de façon fluide sans avoir à ressaisir des mots de passe, sans avoir à ressaisir telle ou telle donnée. Donc voilà, c'est vraiment ce qui nous anime dans cette doctrine technique. On continue par ailleurs d'avancer sur nos deux jambes, comme je le dis régulièrement, en matière d'offres de numérique éducatif, c'est-à-dire à la fois nous appuyer sur des communs numériques dont un certain nombre sont pris en charge par l'État, d'autres par d'autres acteurs. Donc première jambe, développer les communs numériques. Deuxième jambe, développer l'usage et faciliter l'usage des ressources numériques produites par les entreprises de l'EdTech et des éditeurs d'éducation. Pour ça, on travaille sur le contre-source. Ça aussi, c'est quelque chose qui a longtemps été discuté, notamment dans les états généraux du numérique pour l'éducation, qui date maintenant de 3 ans, si je ne m'abuse. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a mis en chantier, mais là aussi, on a devant nous quelques arbitrages budgétaires qui vont être cruciaux pour avancer. Mais voilà, je compte bien sur la nouvelle équipe ministérielle pour nous permettre de gagner les arbitrages en question. Et puis, un dernier point, alors c'est pas encore un résultat, hein, mais parce que, Célia le disait, hein, c'est le temps de la transformation, il est long, et donc, et moi j'ai l'habitude des transformations longues, hein, je sais que voilà, pour produire des choses, il faut un petit peu de temps devant soi, donc moi c'est dans ce temps que je m'inscris, et je reviens pas sur ces propos. Et donc, on a également acté au sein du ministère qu'on allait créer un incubateur de produits numériques, alors qui sont où on va pouvoir incuber des produits qui sont à la fois des produits pour faciliter des tâches administratives, mais potentiellement aussi qui pourraient interroger certains processus pédagogiques en lien avec la politique des communs numériques et la politique de recours au EdTech. Donc voilà, on n'a pas encore de résultats concrets là-dessus, mais ce sont des résultats en devenir, on va dire. Alors des résultats, effectivement quelques résultats obtenus hein, depuis le début de l'année. La stratégie, on l'a co-construite hein, en 2022. On est à quelques semaines de 2024. Et donc effectivement, le mouvement de l'univers continue en fait. Hein, et il se passe quand même beaucoup de choses. Et donc des résultats, des évolutions aussi autour de nous. On parle, il y a beaucoup de sujets d'actualité. Et essayons de zoomer aussi un instant sur comment on peut justement prendre en compte ces évolutions et puis peut-être ajuster là où c'est utile la stratégie. La stratégie doit rester quelque part un document vivant. Du côté des collectivités territoriales, Mylène, est-ce qu'on identifie des attentes particulières sur les ajustements qui pourraient être nécessaires, utiles dans cette stratégie, sans par ailleurs passer plus par-dessus tête tout le document qui effectivement s'est installé progressivement dans les esprits. Alors du point de vue des bien évidemment des collectivités territoriales, donc de chaque territoire pour qui l'élève est un enfant, un mineur, moi ce que je vois c'est qu'on pourrait à chaque fois peut-être relire les points de la doctrine que l'on avait écrit en se demandant
comment on pourrait la faire sortir des murs de l'éducation nationale et comment ces parties-là pourraient être aussi bénéfiques lorsque l'élève est un mineur. Parce qu'on a de multiples acteurs qui interviennent sur le territoire. On a la collectivité, bien évidemment on a les parents, mais ça ils ont été pris en compte. On a les associations, on a les entreprises. Et donc peut-être qu'on pourrait faire une relecture de chaque point en se demandant si on peut étendre et faire une extension de cette stratégie. Après, moi, il y a un truc qui m'étonne toujours dans l'éducation nationale, mais je ne sais pas ce que peut faire la stratégie. Non, c'est la complexité de tout, en fait. Enfin, ne serait-ce que je commence par l'emploi du temps d'un collégien qui me semble extrêmement complexe, avec des trous, avec des... je commence à 8h, je termine à... Je ne sais pas ce que le numérique pourrait venir faire pour simplifier tout ça, mais je me dis qu'il y a sans doute des... il y a sans doute peut-être aussi des choses à faire. Peut-être se refaire un rapport d'étonnement par rapport à cette complexité, peut-être voir ce qui existe ailleurs et se demander si on pourrait agir. Et enfin, c'est un peu en lien aussi avec le premier point. On a dit tout à l'heure qu'on avait un groupe de travail sur les indicateurs et voir si les données d'éducation, donc pas que du numérique, hein, mais les données de l'éducation au sens large, comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour d'autres actions sur le territoire pour les résultats attendus est toujours le même, c'est-à-dire faciliter la rencontre de l'offre et de la demande de services, toujours au bénéfice là des mineurs et de leurs parents. Et je suis d'accord, j'aimerais bien que Bercy apprécie à son juste titre la stratégie. On est d'accord, les collectivités territoriales. Merci. Oriane, du point de vue des EdTech, justement, quels sont les ajustements que vous avez pu identifier et sur lesquels il faudrait qu'on travaille dans les prochaines semaines? Alors, trois propositions. La première va rejoindre ce qu'Audran disait précédemment sur la question du contre-source, c'est-à-dire la capacité à remettre l'enseignant en responsabilité sur l'achat des solutions dont il a besoin ou dont elle a besoin dans sa classe, dans leur classe. Ça, c'est vraiment un sujet d'engagement de la filière EdTech de manière très forte. On pense que c'est vraiment une façon importante et efficace de diffuser les ressources éducatives dans les classes et au service des enseignants et des élèves. On a fait quelques propositions de montant, vous vous en doutez. On pense qu'il faut que ce soit ambitieux pour donner la capacité aux enseignants de choisir vraiment des solutions qui sont robustes, qui ont fait leurs preuves et qui peuvent vraiment les outiller, les aider, les accompagner. Deuxième point, un peu en rebond avec un certain nombre de réflexions précédentes sur la question des communs, mais de manière plus large, nous on pense qu'il y a une marge d'amélioration dans la capacité à travailler ensemble, ministère, opérateurs du ministère et EdTech, solutions portées par des entreprises privées, pour un certain nombre de chantiers qui sont ouverts et pour lesquels des solutions existent aujourd'hui dans la filière. Pourquoi ? Parce qu'on pense que réinventer l'eau chaude, ça ne sert à rien, surtout quand on utilise de l'argent public. On est tous contribuables dans cette salle. Je pense qu'on a d'autres choses à faire en utilisant de l'argent public que réinventer des choses qui existent par ailleurs. Et donc nous, on est vraiment très constructifs dans notre position là-dessus et on attend que ce soit de la part du ministère, mais aussi de ses opérateurs, que quand on veut créer un outil, quand on veut créer une solution qui répond à un besoin, qu'on regarde d'abord si dans l'écosystème cette solution, ce besoin est adressé, qu'on puisse expertiser, évaluer la capacité de cette solution à aller plus loin et être utilisée par la puissance publique, mais en tout cas qu'on n'aille pas à l'aveugle dans des investissements publics qui n'ont pas, à notre avis, lieu d'être. Je pense vraiment, par exemple, sur les questions d'orientation, il y a un dispositif, un travail qui est mené par l'UNICEF aujourd'hui,
Nous, on a des excellentes boîtes qui, aujourd'hui, arrivent à adresser des jeunes sur les questions d'orientation comme personne, parce qu'elles utilisent des mécanismes d'aller chercher sur des réseaux sociaux de type TikTok, etc., d'aller capter les jeunes, d'aller discuter sur les métiers, d'aller travailler sur leurs envies, sur leurs intérêts, etc. Et ça, bah, je pense que ce serait une bêtise collective que de ne pas capitaliser là-dessus. Je pense par exemple à Hello Charlie, hein, qui est à Rastand, mais il y en a d'autres. Et c'est pour vous important. Et peut-être troisième point, c'est quelque chose qu'on a formulé récemment, sur lequel on souhaite vraiment travailler avec, les équipes de la DNE, qu'on a pu, c'est une proposition qu'on a formulée aussi au ministre, qu'on a eu le plaisir de voir il y a quelques jours. Nous, on pense que il faut qu'on soit un peu plus collectivement capable de définir une forme de parcours de montée en usage des solutions EdTech. Quand je dis ça, alors c'est peut-être un peu un terme barbare, mais l'idée c'est que, alors je caricature, ou je la fais un peu simple, mais l'usager, c'est-à-dire l'enseignant pour les ressources éducatives qui utilisent le numérique, soit conscient, au courant du stade de développement de la solution qu'il utilise et qu'il puisse connaître justement les enjeux d'usage de cette solution. Quand c'est une expérimentation parce que le produit vient d'être imaginé et qu'il faut tester son utilité pédagogique, etc., bah, que ce soit conçu comme tel, des expérimentations dans des classes, etc. Et c'est très bien, on sait qu'il y a plein d'enseignants, vous êtes peut-être dans cette salle, qui sont ouverts, curieux, qui veulent créer des conditions d'expérimentation de cette solution. Nous, on souhaite que ce soit identifié comme tel, que vous sachiez que cette solution, elle a besoin d'être expérimentée, elle a besoin d'être testée, elle a besoin d'être mise sur le terrain pour se consolider. Et que petit à petit, bah, quand vous avez par contre une solution qui a fait ses preuves, qui a déjà une utilité pédagogique qui est vérifiée, qui a déjà une conformité, évidemment, dans toutes les normes de sécurité, les normes de protection des données, etc., et que cette solution, elle a besoin de passer à l'échelle, elle est capable de passer à l'échelle, bah, que là, on ait des mécanismes de soutien de passage à l'échelle. Aujourd'hui, on est dans encore un peu, je pense, dans un flou. On a des dispositifs qui sont pas forcément, qui sont jamais trop des passages à l'échelle, malheureusement, qui sont des consolidations, des expérimentations, mais qui ne permettent pas aujourd'hui justement ce passage à l'échelle et qui ne permet pas surtout de mettre suffisamment, à la fois en responsabilité, mais en conscience et en connaissance, ceux qui l'utilisent en connaissance du bon stade de développement dans lequel cette solution elle est. Et donc voilà, nous c'est quelque chose qu'on propose de travailler, qu'on propose sur lequel on propose de contribuer, on a plein d'idées là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, justement à l'aune ou à l'heure d'une forme de maturité, à la fois de travail en commun, de travail collectif et de maturité des solutions qui sont présentes dans l'écosystème de la EdTech. Célia, les éditeurs partagent-ils finalement les mêmes ajustements? En ont-ils identifié d'autres qui permettraient d'enrichir justement cette stratégie? Je ne sais pas si ça vient d'enrichir la stratégie, mais ce que je me disais en préparant cette table ronde, c'est que peut-être on aurait à gagner à créer, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, un observatoire, un centre de ressources, ou sur cette question de enseigner avec le numérique, c'est quoi ? Parce que ça permet, enfin voilà, c'est un centre, enfin quelque chose qui serait une ressource qui permettrait par exemple aux collectivités locales de venir voir ce qui s'est déjà pratiqué, que dit la recherche sur enseigner avec le numérique, quelles sont les meilleures conditions de déploiement, d'avoir quand même un point d'entrée unique sur cette question-là, ça me semblerait assez utile aussi sur la question qu'on n'a pas pu travailler la dernière fois sur les communs numériques. En termes de temps d'allocation et de moyens sur cette question-là, comment on peut adresser cette question? Quelles sont les limites? Et qu'on ait un temps de partage autour de ces questions qui sont quand même très structurantes et qui vont poser des questions de réutilisation de contenu. Je l'avais dit l'année dernière, ça avait un peu surpris, mais oui, les enseignants, quand ils créent leur contenu, ils vont chercher à 80% dans les manuels scolaires. Donc c'est tout à fait légitime de vouloir aller vers des communs numériques, mais il y a des à côté qu'il va falloir qu'on adresse. Donc il va falloir qu'on parle. Donc je me demandais si quelque chose autour des travaux de la recherche sur enseigner avec le numérique pouvait pas venir enrichir nos réflexions sur cette stratégie. Merci. Audran, alors on parle souvent de la question du pourquoi la stratégie, finalement pourquoi la mettre à jour et quels sont les quelques sujets aussi identifiés côté État pour mettre à jour cette stratégie? Alors, il y avait d'abord la question, si je remonte un peu le temps,
Il y avait quelques personnes néanmoins qui me disaient, mais ça sert à quoi de rédiger une stratégie? De toute façon, elle sera obsolète au bout de 6 mois. Moi, j'ai jamais cru à ça et j'y crois toujours pas. Parce que, encore une fois, on s'inscrit dans un temps long, un temps qui doit traverser effectivement les gouvernements, les successions de gouvernements. Alors, moi, pour l'anecdote, hein, je suis arrivé donc effectivement en juillet 2021 et donc j'ai fait 3 rentrées avec 3 ministres différents. J'ai très bon espoir pour avoir une stabilité désormais et pouvoir avancer plus sereinement de ce côté-là. Mais néanmoins, voilà, c'est une réalité aussi qui s'impose à nous, administratifs besogneux. Il faut qu'on arrive à se fixer à un cap qui transcende un peu ces successions politiques. Néanmoins, il faut que cette stratégie soit robuste aussi aux ministres successifs. C'est-à-dire qu'il faut que, à la fin, chaque ministre se le réapproprie, etc. Et en ça, le fait d'avoir une vision partagée, qui n'est pas la vision, encore une fois, du ministère et de la DNE, mais c'est bien une vision partagée par un collectif, ça, c'est extrêmement fort également, et ça appuie quelque part la robustesse, la pérennité, la résilience de notre vision stratégique. Donc ça, c'est extrêmement précieux pour tout le monde. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, c'est sûr que le contexte évolue, l'environnement évolue, surtout dans le numérique, j'allais dire. C'était un mois avant qu'on publie la stratégie à débouler ChatGPT avec l'intelligence artificielle générative. On s'était posé la question dans la dernière ligne droite, est-ce qu'on rajoute un point sur l'intelligence artificielle qui est déjà présente en filigrane, voire en dur dans la stratégie. Et en fait, on s'est dit que non, on ne va pas se précipiter. Et quand on relisait la stratégie, on voyait déjà qu'elle était déjà robuste à l'arrivée de cette révolution technologique. Parce que tout ce qu'on disait déjà du numérique en général était valable pour l'intelligence artificielle générative au cas particulier. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un discours qui est de dire il ne faut pas rejeter le numérique parce que c'est tout ce qu'on voit en ce moment, en particulier dans la presse, parce qu'effectivement il y a des risques de cyberharcèlement, il y a des risques d'enfermement dans des bulles médiatiques, il y a des risques d'infobésité, de fake news, etc., etc. Mais justement, tout ce qu'on dit, ce qui nous a tous réunis, c'est de dire au contraire, l'école a un rôle fondamental à éduquer nos élèves aux bons usages du numérique, aux dangers qu'il peut représenter et aux manières du coup de ne pas tomber dans ces risques-là, etc., etc. Et en fait, pour l'intelligence artificielle, on a exactement la même réponse, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est là, donc ça ne sert à rien de l'interdire comme certaines grandes écoles ont pu le faire. Au contraire, il faut s'en emparer, se dire qu'est-ce qu'on en fait. L'intelligence artificielle, elle peut être utile dans les outils que l'on offre à nos professeurs ou à nos élèves, et il y a beaucoup d'entreprises de l'EdTech qui depuis longtemps, et encouragées même par le ministère, ont des propositions en ce sens. Mais l'intelligence artificielle, il faut aussi qu'on explique aux élèves ce qu'elle est, ce qu'elle peut faire, en quoi elle peut être une aide pour tout un chacun, quelles sont ses limites, comprendre ses limites pour savoir mieux l'utiliser. Ben voilà, donc finalement, on a exactement la même réponse sur l'IA qu'on l'a pour les usages numériques en général. Donc, tout ça pour dire que la stratégie, un an après, elle est loin d'être obsolète. Néanmoins, si on n'apporte pas quelques ajustements régulièrement, et le rythme annuel me semble être le bon rythme, ben on risque effectivement, en 2027, de se retrouver avec une stratégie qui a pris un peu de poussière et qui, sans être complètement obsolète, sera peut-être un peu oubliée et finira finalement comme un document qui ne guide pas l'ensemble des acteurs. Donc je pense que c'est important régulièrement d'y revenir, de regarder comment on peut l'ajuster en fonction des évolutions. Et donc l'intelligence artificielle, ça constitue un des éléments. On a également évolué sur notre façon d'aborder ce qu'on a appelé l'Education Data Hub, la plateforme des données d'éducation. On a beaucoup concerté sur le sujet pendant tout le premier semestre
de l'année. Maintenant, on a une vision plus claire de ce que, de tous les fantasmes aussi qu'il pouvait y avoir derrière cette notion. Et donc, voilà, maintenant, on est en train de recentrer le sujet sur une plateforme d'échange de données État-collectivité territoriale, parce que c'est ça qui est le besoin le plus précis, mûr, sur lequel on sait vraiment où avancer. Il y a d'autres besoins qui sont plus futuristes, mais sur lesquels on n'est pas encore en maturité, et donc sur lesquels il faut qu'on attende, je pense, d'y voir plus clair avant éventuellement de remettre le couvert sur la table. Donc voilà quelques ajustements qui me viennent à l'esprit, en plus de tous ceux qui ont été cités. Merci à tous les quatre. On a commencé un tout petit peu en avance et on est encore un tout petit peu en avance. Peut-être si vous êtes d'accord de prendre une ou deux questions, ça vous va ? Bonjour. J'avais une question pour mener la transformation, au sujet de la transformation numérique au sein même du ministère de l'Éducation nationale. Moi, je suis chasseur de tête, je travaille spécifiquement sur ces questions d'éducation et de formation. Grand groupe, petit. Voilà. Quand un grand groupe de 50 000 personnes veut acculturer un changement, il forme les gens. Il crée un système d'apprentissage et une culture. Pour passer d'un état à un autre, ça prend 2 à 3 ans en général. Concrètement, vous, quels moyens vous mettez en place sur ces enjeux de transformation interne, et quand je dis ça, c'est des ateliers de facilitation, c'est mener vraiment une concertation interne, parce que moi j'ai pas de vision là-dessus, donc j'aimerais bien savoir. Et deuxième question, concrètement, comment est-ce que vous organisez la formation des enseignants sur les usages numériques, notamment des solutions EdTech, et ça c'est une vraie question aussi à adresser, je pense. Donc je voulais savoir concrètement comment vous faites aujourd'hui, et est-ce qu'il y a une vision là-dessus, et si oui, laquelle? Alors, je pense que la question s'adresse essentiellement à moi, mais n'hésitez pas à compléter de votre vision. On a évidemment un gros enjeu de formation, c'est évident. Et ça date pas d'hier, hein, et donc on n'a pas attendu la stratégie pour la mettre en œuvre. Néanmoins, on sait à quel point il peut être difficile de toucher les enseignants en termes de formation, que ce soit sur le numérique ou toute autre chose. Autant il y a des heures réservées dans le premier degré, mais qui sont aujourd'hui beaucoup plus focalisées sur l'apprentissage des fondamentaux maths et français. Donc c'est ça qui prend l'écrasante majorité des heures de formation qui sont réservées dans le premier degré. On essaye néanmoins, et on y arrive, mais ça dépend des territoires, des insecteurs, de l'action des délégations au numérique éducatif. Mais voilà, on essaye d'introduire également la formation aux usages numériques. Il y a quelques exemples comme ça qui me viennent en tête. Il y a des idées de brigades d'intervention numérique qui sont, enfin, je pense, une modalité assez intéressante de formation, parce que un des gros sujets sur la formation, c'est qu'on veut éviter de faire que les élèves soient laissés dans la nature pendant le temps de formation des élèves. C'est tout le sujet qu'on a également dans le second degré avec les remplacements de courte durée. Et donc, la modalité que j'ai en tête dans certains territoires, c'est que ce sont des brigades de formateurs qui interviennent dans une école, qui vont prendre en charge les enfants sur des activités pendant la journée, et pendant ce temps-là, former les professeurs à des usages numériques dans la pédagogie. Donc c'est ce type de brigade qui intervient, qui prend en charge les élèves pour permettre de donner ce temps de formation sans pénaliser les élèves. Je pense que c'est typiquement une modalité extrêmement intéressante qu'on pourrait plus systématiser. Après, on développe beaucoup la formation à distance, évidemment, la formation hybride. On a une plateforme de formation Moodle qui s'appelle Magistère, qui est généralisé sur l'ensemble du territoire et qui contient, alors je n'ai pas le nombre de formations, j'ai le chef de projet Magistère qui est là au premier rang, mais voilà, c'est considérable, il y a une offre considérable et qui, de fait, je crois que c'est 400 000 professeurs qui ont été formés l'année scolaire dernière, enfin qui ont utilisé cette plateforme. Donc ça ne fait pas tout, hein. C'est pas avec une heure, deux heures, même 12 heures de formation à distance que ça change les choses, parce qu'à un moment donné il faut autre chose que la formation entièrement numérique, mais voilà, ça y contribue et c'est un outil, un atout considérable dans la formation des professeurs.
trois points que je voulais mettre en avant, c'est PIX. Dispositif PIX, on l'a généralisé désormais de longue date, c'est pas si vieux que ça, mais auprès de l'ensemble des élèves de collège et de lycée. On avance en 6e et sur le cycle 3, donc voilà, on étend le dispositif PIX à l'ensemble des élèves. Mais là, cette année, on a commencé à déployer le PIX plus Edu, qui est un PIX adapté aux enseignants et à tous les agents de l'éducation nationale. Qui propose des parcours d'auto-évaluation des compétences numériques à tous nos enseignants. Donc c'est à la fois sur les compétences numériques transverses de tout un chacun, tout citoyen, mais également sur les compétences spécifiques attendues d'un enseignant pour l'usage du numérique dans son métier. Donc ce PIX plus Edu, il est déployé là à grande échelle. Tous les enseignants de France ont accès à un parcours d'auto-évaluation qui, en 2 heures, lui permettent de se positionner sur les différentes compétences numériques du référentiel de compétences européen. Voilà. Et à partir de là, l'idée, c'est, parce que l'évaluation pour l'évaluation, c'est pas ça la finalité, hein. Derrière, c'est que chaque enseignant puisse se dire « Ah ben tiens, j'aimerais bien progresser sur telle ou telle compétence ». Où je vois que je suis pas je suis pas au top, j'aimerais avancer là-dessus. Et donc là, c'est là que doivent prendre le relais les écoles académiques de formation continue en lien avec les DRAN, avec Réseau Canopée, etc. Parce qu'il y a tout un catalogue de formations déjà disponibles sur l'enseignement avec le numérique. Donc voilà, donc on essaye d'avancer sur plusieurs modalités à la fois. Après, je vous cache pas que voilà, ça reste compliqué, notamment dans le cadre fort légitimement posé par le ministre, qui est d'arrêter de provoquer des absences de professeurs devant leurs élèves à cause de formations qui seraient organisées pendant le temps de classe. Et donc ça oblige à trouver des modalités différentes, avec de l'hybridation, avec des formats plus courts qui peuvent se faire le soir ou dans des pauses méridiennes, ou enfin voilà, dans les interstices, et puis l'utilisation également du temps des vacances scolaires, même si je sais toutes les problématiques que ça peut engendrer derrière en termes d'acceptabilité. Donc voilà, il y a également cette difficulté qui fait que l'usage des modalités hybrides avec magistère est évidemment un des axes forts de développement. On prend une deuxième question. Fessy aussi, qu'il faut qu'on s'arrête. Désolé, je vous pose une question un peu difficile pour finir. Serge Poussajus, Éducation et Territoire. Vous avez mentionné avec justesse la loi de 2013 qui a clarifié les responsabilités respectives de l'État et des collectivités territoriales en matière de maintenance. Il reste néanmoins une zone grise. Je me permets de la signaler parce qu'elle concerne deux des intervenants du plateau. C'est celle des ressources numériques pédagogiques, justement. La lecture que font aujourd'hui les collectivités territoriales, c'est que c'est à l'État de financer les ressources pédagogiques numériques et pas à elles. Or, on voit très bien qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les collectivités territoriales et les ressources pédagogiques. Par exemple, les communes, depuis plus d'un siècle, financent les manuels scolaires en respectant parfaitement la liberté pédagogique des enseignants, comme vous le soulignez, et elles pourraient le faire pour les ressources numériques. Et voilà, la lecture de la loi, c'est celle-ci. Alors j'aimerais avoir le point de vue d'Audran et puis le point de vue des autres participants sur cette question-là. Qui, aujourd'hui, est en responsabilité de financer les ressources numériques pédagogiques? Alors, Mylène parlait tout à l'heure de complexité. Donc là, on est en plein dedans. Parce que, effectivement, quand on fait l'exégèse des textes, ils sont assez baroques. Il y a un échelon entre guillemets qui est clair, c'est celui du collège. Le collège, que ce soit du papier ou du numérique, les ressources pédagogiques, elles sont de la responsabilité de l'État. Ben, les textes sont très clairs là-dessus. Pour ce qui concerne les lycées, les manuels, sous-entendu papier, parce qu'à l'époque de Lola Payon, il n'y avait pas le terme numérique, enfin, voilà, on ne parlait pas vraiment de cela. Mais les manuels sont à la charge de personnes, en fait, donc des familles. Et de fait, un certain nombre de régions se sont emparées de cela en disant, ben voilà, c'est du plus, je m'empare de ça. Néanmoins, quand on parle de ressources numériques pédagogiques, les textes disent que c'est de la compétence de l'État au lycée.
Et donc, quid des manuels numériques qui sont à mi-chemin entre des manuels, au sens où on l'entendait probablement en 2013, et des ressources numériques pédagogiques, parce que ça en sont également. Donc là, il y a une petite ambiguïté. J'ai tendance à dire que pour moi, ça relève d'une ressource numérique, et donc ça devrait être de la compétence de l'État, mais de fait, les régions, dans l'intervalle, s'en sont entièrement emparées. Enfin, pour beaucoup d'entre elles, en tout cas. Et puis pour l'école, là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de texte qui régisse les ressources numériques spécifiquement. Et donc, de la même manière, c'est plutôt à la charge des familles, mais en réalité, beaucoup de communes financent les manuels et les ressources numériques qui vont avec. Et donc là, pour le coup, l'État est beaucoup moins à la manœuvre. Donc voilà un peu l'état, en tout cas de l'exégèse des textes, de jurisprudence, je crois qu'on l'a partagé ensemble. Et donc, quelque part, il y a un enjeu, enfin, je reviens à mon sujet de compte-ressources, il y a un enjeu pour moi d'arriver à trouver des crédits pédagogiques qui viendront alimenter de façon pérenne ces comptes, enfin, ces portefeuilles électroniques, entre guillemets, qui permettront aux professeurs de s'en emparer. Alors il y a la question, est-ce que les collectivités territoriales veulent pouvoir mettre au pot, entre guillemets, c'est-à-dire alimenter de leur côté les ressources numériques, les contre-sources. Moi, évidemment, je n'y verrai que des avantages. Après, il faut trouver les modalités pour le faire, et certaines collectivités le voudront, d'autres pas. Donc il y a aussi toujours une question d'égalité devant le service de l'éducation. Hein. Mais voilà, est-ce que je peux répondre si ce n'est pas tout, partie des compléments ou Mylène. Non, mais j'abonde tout à fait en fait dans la difficulté là, lorsqu'on a commencé à travailler à la lecture de la loi et à refaire la matrice RACI. Il y a d'ailleurs c'est l'État qui l'avait fait au départ. C'est dans la loi. Des fois il y a un point d'interrogation et il y a dans la loi et après mais dans les faits, c'est la région ou donc c'est il y a la loi et puis il y a les faits, il y a un dépassement en fait de compétences qui s'opère. Et comme le disait Audran, c'est d'autant plus compliqué que quand c'était un manuel papier, ça paraissait simple, mais là la frontière entre ressources numériques, le terme ressources numériques est extrêmement large, et on voit bien que beaucoup de collectivités se sont mis à investir dedans, y compris pour faire du entre le scolaire et le para, le périscolaire. Donc, puis ça déborde, ça s'enchevêtre. Donc il y a la loi et puis il y a la réalité, en fait. Il y a la jurisprudence, on va dire. Merci à vous deux pour la réponse. Désolé, je m'excuse vers les personnes qui avaient levé la main. On n'a pas pu prendre toutes les questions. Audran, peut-être le mot de la fin ? Non, écoutez, merci infiniment. En tout cas, moi, je tiens à remercier l'ensemble des participants à la table ronde, parce qu'au-delà de leur participation à cette table ronde, c'est aussi toute cette mobilisation dans la conception de la stratégie, maintenant dans sa mise en œuvre. Et donc voilà, on va avoir besoin de continuer d'avancer, parce que quelque part on a fait le plus facile, c'est-à-dire qu'on a dit ce qu'on voulait faire, maintenant il va falloir faire ce qu'on a dit, et c'est toujours la partie la plus difficile. Donc on se souhaite beaucoup de courage à ça, et merci par avance. Merci à toutes et à tous.